la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur Dieu. Exauce en ta bonté les prières de ceux qui te supplient. Aujourd'hui, nous tenons à la main ses rameaux pour acclamer le Christ en son triomphe. Missionne-nous par nos œuvres bonnes, portées en lui du fruit à ta gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. C'est ça.
Juste devant nous, elle est là.
L'Éternel est tout puissant pour donner au genre humain un exemple d'humilité. Tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Le serviteur souffrant accepte avec courage et patience les souffrances de cette vie, car le Seigneur vient au secours de ceux qui lui obéissent. Suivant attentivement ce récit du prophète Isaïe, au chapitre 20, les versets 4 à 7. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée. Je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par des outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh.
Saint Paul, dans ses écrits aux Philippiens, leur décrit comment Jésus, étant l'égal de Dieu, s'est abaissé jusqu'à l'humiliation sur la croix, puis a été élevé de la gloire de Dieu. Écoutons-le au chapitre 2, les versets 6 à 11. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de la Passion de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs de ton repas pascal ?» Il leur dit: « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristé, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre: « Serait-ce moi, Seigneur ?» Il leur répondit: « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. »
Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serais-ce moi? Jésus lui répond. C'est toi qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. Jésus reprit: Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: Restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier une deuxième fois. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit: Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des douze, arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le.
Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, fais ta besogne. » Alors, ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors, les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent, « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi. » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi qui l'as dit, mais en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. D'autres le giflèrent en disant, « Fais-nous le prophète ici, qui est-ce qui t'a frappé ?» Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il n'y a devant tout le monde, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » De nouveau, Pierre le nia, « Je jure que je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre
Sûrement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Qu'est-ce que cela nous fait? Cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors s'est accomplie la parole transmise par le prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix par les enfants d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi qui le dis. » Mais, tandis que les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il s'y jette au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Il reprit, « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Messie ?» Ils répondirent tous, « On le crucifie. » Il poursuivit, « Quel mal a-t-il donc fait ?» Il criait encore plus fort, Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien,
sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je ne suis pas responsable du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant, « Salut, roi des Juifs !» Et, crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui mirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivé à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne au calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi, tu détruis le temple et les rebaptises en trois jours. Sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani !» Ce qui veut dire, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disait en l'entendant, le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres dirent, mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. On se met à genoux.
Et voici que le rideau du temple se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche originaire d'Arimathie qui s'appelait Joseph et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et il s'en alla. Cependant, Marie Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant : Trois jours après, je ressusciterai. Donnez donc l'ordre que le tombeau soit étroitement surveillé jusqu'au troisième jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : Il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate le déclara : Je vous donne une garde. Allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. Il partit donc et assurèrent la surveillance du tombeau en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Mettez-vous. Frères et sœurs, bien-aimés, avec la célébration du dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur, nous débutons la grande semaine sainte. C'est une semaine spéciale qui nous invite
à méditer sur les derniers moments de la vie de Jésus. C'est une semaine cruciale qui nous fait découvrir l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. C'est une semaine fondamentale qui nous donne de méditer sur le mystère pascal, le mystère de la passion, le mystère de la souffrance, de la mort et de la résurrection de Jésus. Cette semaine, la grande semaine sainte, est marquée par des événements importants, des moments forts. Premier moment fort dans la semaine sainte-là, c'est ça, nous te vivons dans le commencement célébration avec la bénédiction des rameaux. C'est entrée triomphale, Jésus, dans la ville Jérusalem, la ville sainte. Jésus a entré dans la ville Jérusalem, toute foule a chanté, a acclamé lui comme roi, comme Seigneur. C'est une annonce de gloire, Jésus, c'est une préfiguration de beauté, Jésus. Foule là, reconnaître Jésus comme Messie, comme petit David, comme petit bon Dieu, comme mon roi. Mais malheureusement, quelques temps plus tard, il y a un pile dans yo qui prend position contre Jésus. Frère Maxime, est-ce que ça va arriver nous parfois pour nous avec mon Dieu, pour nous prendre position pour mon Dieu? Parfois, nous prêts pour nous défendre la foi, nous. Mais il y a des moments, nous peut affirmer nous comme chrétiens, comme partisans Jésus. Il y a des moments dans la vie, nous peut prendre position pour Jésus. Dans la semaine sainte-là, nous devons prendre engagement pour nous fermes, engagement pour nous solides. Non, la foi. Deuxième moment dans la semaine sainte-là, nous parlerons demain dans l'évangile-là, c'est présence Jésus, la caille morte avec Marie. Après Jésus était fini ressusciter Lazare, Marthe avec Marie accueillit Jésus la caille. Marie prend un parfum précieux, lui lave pied Jésus avec lui. Jésus, ouais, non, j'ai ça. Il annonce de l'embaumement, quand il annonce de l'amolie. Oui, Frère Maxime, dans le dernier moment la vie Jésus, Marie t'a offert le parfum senti bon. Je dis à Jésus, Abton, nous offrir la vie, nous, remets qui n'a que nous. Jésus abtonne, nous offrir chaque jour reconnaissance nous, gratitude nous, pour s'allier pour nous, pour ça, les faits pour nous. Troisième grand moment qui marquait semaine sainte là, et que nous voyons, nous sommes vivants dans l'évangile là, je dis, l'évangile de la passion, c'est annonce. Trahison Judas avec reniement Pierre. Jésus annonçait Judas t'apprend à le trahir et Pierre t'apprend à le renier. Effectivement, Jean-Jésus t'a annoncé là. Judas t'a venu. Judas t'a trahi. Et Pierre t'a renié Jésus. Disciple. T'es abandonné Jésus. Mais Jésus lui-même, il était fidèle. Fidèle à bon Dieu, papa. Fidèle à mission. Bon Dieu, papa, t'es confié lui. Frère Maxime, est-ce que ça va qu'on arrive nous?
pour nous trahir Jésus, pour nous renier Jésus. Nous avons trahi Jésus, nous avons renié Jésus, nous avons abandonné Jésus, nos paroles, nos comportements, nos actions. Oui, ça qu'on arrive nous pour nous virer dos par Jésus, pour nous abandonner Jésus. Et qui te dit nous, même si nous l'aguer Jésus, Jésus lui-même, les papes jambes l'aguer nous. Même si nous virer dos par Jésus, Jésus lui-même, les papes jambes virer dos par nous. Même si nous abandonner Jésus, Jésus lui-même, les papes jambes abandonnez-nous. Bon Dieu, pape viré dos bon nous. Bon Dieu, pape lagué nous. Bon Dieu, pape lagué, peuple haïtien. Les hommes capables virer dos barou, les hommes capables abandonner. Mais bon Dieu lui-même, les papes jambes lagué, les papes jambes abandonner. La Bible a dit nous, même si papa nous et maman nous abandonnent nous, grand-mère là lui-même, les papa abandonne nous, grand-mère là a pour recevoir nous. Quatrième grand moment dans la semaine sainte là, frère Maxemio, c'est Jésus qui mangeait avec partisans lio. Dans le dernier repas, Jésus instituait sacrement l'Eucharistie. Il avait pied à Potio. Et malgré Jésus te connaît, Judas t'a pral trahir, Pierre t'a pral renier, et l'autre à Potio t'a pral abandonner, Jésus pas de suspend remen yo. Li pas de suspend servir yo. Li pas de suspend ba yo chance pour yon ressaisir yon, ba yon chance pour yon convertir. Li pas de suspendre, ba yon yon dernier chance. Frère Maxemio, bon Dieu toujours abonne nous yon dernier chance. Bon Dieu ba tout le monde chance, chance pour yon convertir, parce que li remet tout le monde. Bon Dieu, bah, tout le monde chance pour yon sauver. Parce que li remet tout petit li yo. Dans miséricorde li, li pa vle l'homme péché ya, li pa vle l'homme méchant. Mais li vle pour péché ya converti. Li vle pour méchant. Si spawn fait mal, pour méchant capable gain la vie. Nous même qu'à vivre dans péché, frère Maxemio, Jésus a dit nous, lui remet nous. Nous même qu'a fait ça qui mal. Jésus a dit nous, lui remet nous. Suspend, fait ça qui mal. Changer la vie nous. Jésus offrit nous pardon. Lui offrit nous miséricorde. Lui. L'autre moment qui est pourtant dans la vie Jésus, pendant la semaine sainte là, et que nous vivons dans l'évangile la passion, c'est arrestation Jésus, jugement Jésus, condamnation Jésus, et l'homme mort Jésus sous la croix. Ils ont arrêté Jésus, ils ont jugé Jésus, ils ont condamné Jésus. Yo mette croix sous dos Jésus et puis yo touye Jésus sous la croix. Mais dans souffrance li yo, Jésus te kembe ferme parce que li te ke conviction, li te ke confiance, l'a triomphé, l'a remporté la victoire. Li te ke conviction, li a ressuscité. Jésus a accepté toute souffrance li yo, frère Maxime yo, parce que li te vle faire volonté papale. Li te vle rete fidèle avec papa.
Et c'est ça, il dit, papa, si c'est possible, éloignez calice souffrance ça, calice amer ça devant moi. Mais c'est pas volonté pam pour qu'il fait, c'est volonté pao qui doit faire. Donc Jésus, frère Maxime, nous devons faire effort pour nous faire volonté, bon Dieu, dans toutes circonstances. Jésus a accepté souffrir sous la croix, non seulement par fidélité avec volonté, bon Dieu, papa, mais tout parce que il remet nous. Oui, frère Maxime, Jésus remet nous. Et c'est parce que il remet nous, il a accepté souffrir et mourir sous la croix. Jésus dit nous, pas de plus grand remè, pas de plus grand remè, le ou baille la vie ou, pour cela ou remè. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Bon Dieu, remè nous, li baille la ville pour nous. Et plus tard, apôtre Paul pral dit, le Fils de Dieu m'a aimé, il s'est livré pour moi. Frère Maxime, Jésus, remets-nous. En retour, nous devons remettre Jésus. Remets Jésus dans le jeune Abseville. Remets Jésus, nos gens, n'a bali, première place dans la vie, nous. Remets Jésus, nos gens, n'a mette parole li en pratique, en application. Remets Jésus, nos gens, n'a prêté fidèle avec lui. Remets Jésus, nos gens, n'a fait bien, nos gens, n'a témoigné de lui. Remets Jésus, nos gens, n'a remet frère, axe nous yo. Frère Maxime, Jésus a accepté, souffrir, mourir sous la croix pour être capable de libérer nous en bas esclavage, péché et la mort. À nous prendre décision pour ne pas vivre dans le péché. À nous prendre décision pour nous combattre le péché, pour nous combattre mal, pour nous combattre toute force mal. Pour nous combattre toute force de la mort qui est dans nous, qui est autour de nous. On nous prend décision pour nous combattre toute force de la mort qui est dans le pays, nous, qui est dans la société. Nous. Jésus souffrit, Jésus mourit sur la croix pour lui sauver nous. Jésus souffrit et puis mourit sur la croix pour que nous soyons capables de gagner la vie. Jésus portait la vie pour nous. Frère Maxime, Jésus portait la vie pour nous. Et à travers vous-même, à travers moi-même, à travers nous tous, Jésus voulait porter la vie pour l'autre monde. Porter la vie pour le monde qui est à côté de nous. Porter la vie pour le monde qui est sur route nous, qui est sur le chemin nous. Porter la vie pour tout le monde. Pas porter la mort. Pas porter souffrance. Des gens, c'est ça qu'ils font. C'est la mort qu'ils portent. C'est tristesse qu'ils portent. C'est souffrance qu'ils portent. C'est deuil qu'ils portent. Nous, mêmes chrétiens, nous ne devons pas porter la mort. Nous ne devons pas porter souffrance. Nous ne devons pas porter deuil. Nous ne devons pas porter malheur. Nous, mêmes chrétiens, c'est la joie nous devons porter. Oui, porter la joie, porter consolation, porter la vie, porter l'espérance, porter la paix. Soyons des porteurs de vie, des porteurs d'espérance, des porteurs de bonnes nouvelles. Soyons des témoins de l'amour, des témoins de la miséricorde de Dieu. Frère Axemio, dans la souffrance liée, Jésus portait la vie pour nous.
dans la souffrance liyo, Jésus te kembe ferme. Dans la souffrance liyo, Jésus voulait dire nous, frère Maxime, que mal là pas gagné dernier mot. Mal là pas triompher sous bien. C'est bien qu'a remporté la victoire sous mal. Jésus te croit que méchant pas gagné dernier mot. Dernier mot, c'est nommé bon Dieu lié. Bon Dieu qui t'a créé nous pour nous faire bien. Et c'est peut-être ça, frère Axemio, nous devons être en coup Jésus dans toutes circonstances. Nous devons être ferme. Nous devons faire preuve de courage. Et en coup Jésus, dans toutes circonstances, nous devons faire effort pour nous combattre le mal, non pas pendant la fête à qui mal, mais pour nous combattre le mal pendant la fête à qui bien, pour nous combattre le mal pendant que nous avons remis, nous avons vivre dans remis, nous avons témoigné de remis. Jésus t'a gardé ferme dans la souffrance, il t'a gardé l'espérance, il t'a porté croire avec courage, parce que il t'a croire, souffrance li pas débouché dans le mort seulement, mais souffrance li, le mort li a débouché dans la gloire, le mort li a conduit dans la résurrection. Oui, frère Axemio, petit bon Dieu, pas jamais souffri pour grand Messie. Chrétien, pas jamais souffri pour grand Messie. Monde qui a fait ça qui bien, pas jamais souffri pour grand Messie. Innocent, pas jamais souffri pour grand Messie. Dans la vie, non, comme chrétien, pas de souffrance sans consolation, pas de sacrifice sans récompense, pas de la croix sans la gloire, pas de la mort sans la résurrection, pas gagner vendredi saint sans dimanche Pâques. Vendredi saint noir, capable de paraître long, tant souffrance noir, tant souffrance, peuple haïtien, capable de paraître long, mais délivrance nous, ouais par ouais, délivrance noir, la privée quand même. Délivrance peuple haïtien, la privée quand même. Dimanche Pâques, peuple haïtien, la privée quand même. Frère Maxemio, à nous demander bon Dieu, bon nous la grâce pour pendant semaine sept là et pour chaque jour dans la vie nous, nous arrivons maintenant, une vie qui sept. Pendant que nous avons kembé la foi nous, pendant que nous avons fait ça qui bien, pendant que nous vivons dans nos mains. Mande bon Dieu la grâce pour nous suivre Jésus, pour nous rester fidèles avec lui dans toutes circonstances, pour rien. Pas séparer nous de lui. Mande bon Dieu, frère Maxemio, bon nous la grâce pour nous travailler, pour nous capables sauver. Et pour nous travailler, pour frère Axenouyo, capable sauver tout. C'est pour bon Dieu remettre là, garder nous dans Remeli. C'est pour mettre force li dans nous. C'est pour combler nous à grâce. C'est pour bénir nous. C'est pour bénir pays nous. Amen.
Bon Dieu nous rend son bon Dieu la vie, l'hypothèse la vie pour nous toutes, l'hypothèse la vie pour nous chaque, dans la souffrance, dans la mort, et dans la résurrection Jésus. Nous camper pour nous capables proclamer la foi nous, dans bon Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Jésus t'a toujours été en communion avec bon Dieu, papal. Jésus t'a toujours tourné beaucoup de papal pour lire la prière. À l'instar de Jésus, nous devons des hommes et des femmes de prière. À l'instar de Jésus, nous devons toujours chercher vivre en communion avec mon Dieu. À l'instar de Jésus, nous devons abandonner nous dans bras bon Dieu. Non seulement pour bon Dieu capable de faire salver avec nous, mais pour que nous capables de recevoir toute grâce, toute bénédiction dans mes bon Dieu. En nous unis que nous, frères Semio, en nous unis voix nous, pour nous capables de la prier. Bon Dieu, Papa, nous qui remet nous et qui voulait nous vivre, qui voulait nous gagner la vie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, nous te prions pour les responsables de ton Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres. Fais qu'à travers leurs paroles, leurs actes et leurs comportements, ils continuent à témoigner de ton amour et de ta présence dans nos vies. Écoute-nous. N'a pas la prière, grand-mère, pour tout dirigeant dans le monde là, et spécialement. Si la yo qui te prend engagement pour diriger pays noir Haïti, t'en prie grand-mère, touche conscience yo à ke yo pour nous arriver gen l'espoir yon de même yo pour te voir nous. Seigneur, nous implorons ta guérison et ton réconfort sur les malades, sur nos frères et sœurs brisés par le fléau de l'insécurité croissante en Haïti. Donne-leur la force et le réconfort nécessaires pour pouvoir faire face
aux difficultés, Seigneur, écoute-nous. Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dans la prière pour la communauté paroisse noire, pour nous tous qui rassemblés dans l'église la Jodian, ainsi là yo cap suivre nous à travers médias sociaux. C'est pour grand mettre là continuer aider nos travail pour nous aider tout ça qui pas bon en nous. Pour ça, nous va préparer que nous pour nous célébrer fête Pâques là. Grand mettre pour tes voix nous. Écoute. Moment silence et en offrir bon Dieu dans le moment ça toute la vie nous dit bon Dieu mène nous mais moi je voulais faire volonté ou mais moi je voulais servir ou à tout cœur moi. Mais moi je voulais suivre vous jusqu'au bout. Moi, je voulais rester fidèle avec vous dans toutes circonstances. Mais moi, aidez-moi pour moi vivre dans le remède. Aidez-moi pour ne pas jamais suspendre, faire ça qui bien. Aidez-moi pour me travailler pour Ayomoua, arriver établi sur toute face Teya. Aidez-moi pour épreuve, pour problème, pour être chargé la vie, hein? Pas faire me décourager, mais pour moi qu'un ferme, pour moi garder l'espérance, moi, parce que moi crois au même bon Dieu fidèle là, ou avec moi. Dans toutes circonstances, ou à combattre pour moi, ou à ban moi, délivrance, ou à ban moi, victoire. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur, alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est abaissé, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts pour qui nous t'offrons ce sacrifice. Souviens-toi des défunts de notre communauté paroissiale, des défunts de nos familles. Souviens-toi des personnes tuées dans l'insécurité en Haïti. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui célèbrent un événement heureux dans leur vie aujourd'hui. Ariel Maton, Beldor, Sinfora, Craïde, Bord Montuma, Syria Audouin Saint-Cyr, Docteur Virginie Louis, Enola Moro, Francia Célius, Joanne Itéar Carrière, Lens Festa, Madame Mariana V. Césaire, Marie-Lou de Cérélus, Nive Alexandre,
Pascal Jean-Jessé Marcellus, Paulette André Saint-Cyr, Rachel Jean-Charles Antoine, Louis-Père Joseph Larose, Sonia Saint-Ville, Francia Célius, qui célèbrent aujourd'hui leur anniversaire de naissance. Nous appelons ta bonté sur les bienfaiteurs, les bienfaitrices de la paroisse, vivant en Haïti et à l'étranger. Nous implorons ta bonté sur les fidèles auditeurs et auditrices de la radio Télé Altagrâce qui participent à cette célébration eucharistique via les réseaux sociaux. Nous implorons ta bonté sur les autres médias en ligne. Nous implorons ta bonté sur chaque fidèle ici rassemblé. Nous implorons ta bonté sur les personnes qui ont recommandé cette messe. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altagrâce, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont t'offense et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-nous la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Prions pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Thank you.
Yeah.
Chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de la voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué pour tous tes bienfaits. Ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange. Ton amour inonde nos cœurs. Ma bouche chante ta louange. Chante ta louange. Prions.
Seigneur. Rassasié par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à tous, merci à chacun, merci à notre frère, révérend Père Séraphin, qui a concélébré avec nous et qui a proclamé avec les abbés et les séminaristes et avec frère Delva l'évangile de la Passion. Nous disons merci à chacun d'eux. Merci à nos religieuses, merci aux membres de l'équipe liturgique, merci aux différents comités accueil, ordre, comité offrande, comité nettoyage, comité santé et comité Alta Force. Merci et aux techniciens, aux caméramans. Merci à Radio Télé Altagrâce, Radio Télé Caraïbes. Merci à toute l'autre radio, à toute l'autre média qui a diffusé célébration la messe là. Merci à tout le monde qui a vécu célébration ça à travers radio, à travers télévision. Merci à nous toutes. Merci à nous chaque frère, à Semio. Merci à servant d'Hôtelio. Et nous comptons renouveler en grand nombre pour nous commencer semaine sainte là. Nous disons merci à musiciens yo. Merci à chorale Ave Maria. Un bat bravo pour yo, pour nous dire yo. Merci. Merci à nos sacristains. Merci à Frère Torchon, Frère Lemaître. Merci à tout le monde qui a aidé, tout le monde qui a collaboré, tout le monde qui a supporté le travail là. Frère Maxemio, j'en ai constaté dans l'église là, nous avons 14 stations, belles stations. Est-ce que nous avons une station yo? C'est belle station, c'est belle bagaille. Nous disons merci à tout le monde qui t'a financé, à tout le monde qui finançait station yo. Tout le monde qui aidait pour station yo. Et nous demandons pour Jésus verser sang précieux là sous yo pour le combler yo avec la grâce li. Merci à tout le monde qui baille contribution tout pour ban. Ban yo, il y a quelques bancs qui en fabrication, ban yo a belle, mais nous besoin en pile ban pour l'église là. Nous besoin plus ban, nous besoin plus monde pour qui aider pour nous capable gagner ban dans l'église là. C'est belle bagaille oui, le ou aider notre travail grand maître là. Leur bay contribution pour travail grand maître là pour l'église là. Il est gain ou gain non inscrit dans l'église là, leur gain non inscrit dans ciel là, dans plamé bon Dieu. On nous continue aider, on nous continue supporter, on nous continue poter coller. Et monde qui voulait bay ban et nous capable contacter youn nan payo ou bien secrétariat relé dans numéro yo pour que nous capable gagner information sous ça sous ban yo. Frère Maxemio, nous commençons aujourd'hui yon belle semaine, yon grande semaine, la grande semaine sainte, yon semaine côté nous appeler pour nous faire effort pour nous vivre saint et pour nous vivre dans plus communion, dans plus intimité avec Jésus, pour nous unir nous totalement à mystère passion, mystère souffrance, la mort et résurrection Jésus-Christ. Et pendant ce maintenant, nous avons en pile activité qui a marqué ce maintenant. Nous avons activité spirituelle et puis nous avons activité sociale tout, tant que solidarité avec les humbles, avec les pauvres, avec les malades. Mais annonce nous avons pendant ce semaine sainte-là. Et nous avons gagné un deuxième messe qui pourra le célébrer tout à l'heure, à 9h, bénédiction Ramoran, à fête sous la cour l'église. Là. Et troisième messe, là, à célébrer après-midi à 4h, et bénédiction Ramoran, à fête sous la cour l'église. Là. En semaine, lundi, mardi, mercredi saint, nous avons gagné messieurs aux heures habituelles, à 6h, à 7h et à midi. Nous avons gagné confession après deuxième messe. Pour le monde qui pourra confesser, pour nous capables de confesser. Confession après deuxième messe. Et lundi, mardi et mercredi saint,
n'a bien retraite Pascal, retraite Pascal. N'a bien Père Alfred Jean, lui-même qui a prêché, qui a animé retraite là pour nous. Et solidarité avec les humbles, avec les malades. Et merci à tout le monde qui aide pour solidarité ça. Et encouragez-nous, Frère Maxime, pour nous vivre tout moment fort dans la semaine sainte là. Non seulement pour nous confesser, mais pour nous participer dans la retraite Pascal là. Retraite là a commencé chaque après-midi, lundi, mardi, mercredi, à 4 heures, à 4 heures. Lundi, mardi, mercredi, à 4 heures. Nous nous toutes. Jeudi Saint, nous gagnons deux grandes célébrations. Première célébration, c'est à 8h30. C'est la messe chrismale. Cette année, nous aurons l'honneur, nous aurons le privilège d'accueillir à l'église Altagrâce la messe chrismale. Donc, à 8h30, nous avons gagné plus que 100 paix qui ont venu autour de l'archevêque pour la célébration de la messe chrismale dans l'église Altagrâce. Donc, vous voulez bon, nous cadeau ça pour tout effort que nous faisons pour nous embellir l'église. Là, vous voulez bon, nous cadeau ça, année ça, célébrer la fête chrismale là, dans l'église. Là. Donc, c'est à 8h30, venez participer dans la célébration ça, son célébration importante. Venez participer dans la célébration ça, messe chrismale là, à 8h30, jeudi saint. Et dans l'après-midi, à 4h30, nous avons gagné célébration de la scène du Seigneur et lavement des pieds. Dans la messe, nous avons gagné un pile monde qui était perdu communion, qui a repris la communion. Vendredi 7 avril, c'est vendredi saint. Vendredi saint, à 7h, nous avons rassemblé sous la cour l'église là. À 7h, vendredi saint, dans matin, nous avons rassemblé sous la cour l'église là pour exercice du chemin de la croix. Nous avons rassemblé sous la cour l'église à 7h pour exercice chemin de la croix. Et dans l'après-midi, à 2h30, nous avons gagné prière de pardon et de réparation à la divine miséricorde. Nous avons fait neuvaine à la divine miséricorde. Neuvaine de pardon et de réparation à la divine miséricorde. Chaque jour à 3h p.m. Sauf vendredi saint, à cause de l'office là. Office du vendredi saint qui a commencé à 3h, n'a avancé prière à la divine miséricorde, là, prière de pardon et de réconciliation, n'a pas avancé de 30 minutes, n'a fait à 2h30. M'encouragez-nous pour nous vivre tant fort ça. M'encouragez-nous pour nous participer dans la semaine 7 là, et pour nous faire neuvaine de pardon et de réparation à la divine miséricorde pour nous demander, bon Dieu, grâce, pardon, miséricorde pour nous, grâce, pardon, miséricorde pour tout pécheur, pour tout le monde qui a fait ça qui mal, grâce, pardon, miséricorde pour le pays nous, Haïti. Samedi 8 avril, samedi saint, nous avons gagné à 3h, nous avons gagné deuxième jour de la neuvaine de pardon et de réparation à la miséricorde, prière à l'église et sur Radio Télé Altagrâce. À 8h du soir, nous avons gagné veillée Pascal, mère de toutes les veillées, suivie de la messe de la résurrection. Et dimanche de Pâques, nous avons gagné messe à 6h30, à 9h et à 4h. Nous avons gagné trois messes exceptionnellement dimanche de Pâques, 6h30, 9h et 4h. Encore une fois, merci à nous toutes, merci à nous chaque, merci à toute radio, toute télévision qui a diffusé célébration la messe là, en particulier à Silayo que moi identifié, Radio Télé Caraïbes, Radio Télé Altagrâce et Claude Radio. C'est pour bon Dieu grand maintenant. Continuez, bénis nous, bénis tout auditeur, bénis toute auditrice, tout téléspectateur, toute téléspectatrice, bénis nous toutes, bénis nous chaque, frère Axemio. Et moi, je voulais souhaiter joyeux anniversaire à tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Joyeux anniversaire à Ariel Maton, à Beldor Saint-Fora Claïde, à Borde Montuma, à Célia Ardouin Saint-Cyr, à Désinette Philomène Joseph,
désigné Philomène Joseph, a célébré aujourd'hui 90e anniversaire naissance. Li. Nous demandons pour bon Dieu continuer bénir Bali la santé. Joyeux anniversaire à Docteur Virginie Lui, à Enola Moreau, à Francia Célius, à Joran Etea Kaya. Carrière, à Lens Vista, à Madame Mariana Césaire, à Marie-Lourde Cyrillus, à Nive Alexandre, à Pascal Jean Jessie Marcellus, à Paulette André Saint-Cyr, à Rachel Jean-Charles Antoine, Révérend Père Joseph Larose, à Sonia Saint-Ville, Cam, qui est une collaboratrice dans Presbytérien, qui a collaboré avec nous, à joyeux anniversaire à Francia. C'est Lius et à tout autre monde qui a célébré l'anniversaire. C'est pour bon Dieu, vie de grâce et bénédiction sous nous toutes, sous nous chaque, en abondance. Bonne fête à nous toutes, frères et sœurs. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sang précieux de Jésus. Sang précieux de Jésus. Sang précieux de Jésus. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Le Seigneur soit avec vous. Dieu Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils unique le modèle de la charité, qu'il vous aide à recevoir dans le service de Dieu et des hommes le don incomparable de sa bénédiction. Dans la foi, vous le savez, par la mort que le Christ a subie dans le temps, vous pouvez échapper à la mort éternelle. Puissiez-vous obtenir de lui la grâce de la vie sans déclin. Vous qui suivez l'exemple de son humilité, puissiez-vous avoir part à sa résurrection. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y demeure toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Bonne semaine sainte à vous tous. Merci beaucoup.